Eh bien salut tout le monde, c'est Fireglass. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais recevoir quelque chose que je vais pouvoir faire un unboxing. Donc voici la vidéo unboxing de mon cosplay pour la Japan Expo. Malheureusement je n'ai pas l'équipement du genre arme. Par contre j'ai le reste, donc je vais vous montrer ça. J'ai le carton à côté de moi, on va commencer. Je vais faire des coupures bien sûr, parce que bah, le temps que je me mette le costume pour que vous voyez au final ce que ça donne. Et donc voilà, on va commencer donc par la première chose que j'ai au-dessus du colis. Donc c'est la tenue du personnage. Voilà, c'est la tenue du personnage que j'ai. On va ouvrir hein, pour voir, on va la tester. Donc je sais pas du tout si c'est ma taille, il faudra que je recommande si c'est pas ma taille, mais bon, c'est autre chose. Donc voilà. Donc si vous vous demandez de quel personnage s'il s'agit, c'est tout simplement de Kirito dans SAO. Si vous ne connaissez pas SAO, je vous conseille d'aller le voir fortement, c'est un très bon manga. Et puis bah, comme site de streaming, vous avez filmvf.net qui vous permettra de regarder SAO sans passer par des sites payants. Voilà. Donc je vais faire une petite coupure et puis je vais porter donc l'habit et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Allez, à tout de suite. 2 hours later. Et voilà, je suis revêtu comme Kirito, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas mis les gants parce qu'ils sont malheureusement trop petits, le costume est trop petit, il va falloir que je le renvoie, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un souci, puisque bah, je vous recevrai dans quelques jours. Donc, nous avons ensuite la perruque, qui n'est pas du tout. Enfin, il faut que je la. On m'a dit que je la remets, ça va être chiant. Voilà. Parce que, à moins qu'elle soit prévue comme ça pour. Je pense pas que Kirito tous les matins il ait les cheveux comme moi. Putain, c'est hard pour mettre la perruque. Autant vous dire que je n'ai jamais mis de perruque de ma vie. En gros, c'est une première. Mais bon, faut toujours un début à tout. Travail d'artiste. Quoi demander de mieux, hein? J'ai le pantalon, j'ai tout, hein, si jamais vous me demandez. Donc en fait, le problème c'est que je vais pas avoir l'arme en fait. Voilà. Nous avons donc maintenant le dernier petit colis. Et je pense que vous savez ce que c'est. Oula, ça fait un putain de bruit. Parce que bah, Kirito, ah, bien sûr, ne marche pas pieds nus, hein. Il marche avec des bottes. Donc voilà. Voici les bottes donc, de Kirito, si jamais. Hein, voilà, pour ceux qui n'ont jamais regardé SAO. J'ai l'impression que ça pue mort en fait à l'intérieur. Il y aurait quelqu'un qui l'a mis avant moi. Quelque chose. Je crois bien que le pantalon est devant. Pas sûr, mais je crois. Moi qui saute dessus. Mais ça me paraîtrait plus logique qu'il soit dedans. Je vais regarder 2 secondes. Ouais, le pantalon est dedans, ouais. C'est ce qu'il me semblait. Hop, donc du coup on va le faire un peu devant. On va vous montrer le travail de l'artiste. Quand même. Oh putain. Toujours cet endroit de merde là qui coince. Voilà, la deuxième. Donc en fait, il y a juste à changer ça, ce que je porte dessus, donc le pantalon, le t-shirt, parce qu'il y a un t-shirt en plus. C'est tout. Et après, il faut juste que je mette. Faut juste. One eternity later. Regarde. Oula. Un truc a craqué. J'aurais du style, ma gueule. Regarde. J'ai les bottes. J'ai tout. J'ai rien pour vous montrer.
classe. Voilà mon cosplay, mon beau petit cosplay. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'unboxing de mon cosplay. Malheureusement, bon, je vais vous mettre les gants hein, pour la fin de la vidéo quand même. Malheureusement, hein, qui du coup n'est pas ma taille hein, pour le, pour ça, bon ça c'est oui, enfin ça, ça et la ceinture elles sont à ma taille. Mais le pantalon, le t-shirt et cette belle veste, malheureusement, ne sont pas à ma taille avec les gants aussi, parce que les gants ont une taille et là, bah, elles ne sont pas du tout. Je coince juste avant d'arriver à la fin, c'est dommage. Voilà, mes doigts sont comme ça, alors que dans l'anime, il a au moins là, et là, c'est la moitié des doigts. Enfin, je vais voir vite fait. Ouais, c'est bien ça. Donc, voilà. Alors, j'ai la voix d'ailleurs vite fait pour vous expliquer complètement pété. Pour une raison, j'ai gueulé toute la journée en cours, donc voilà, c'est normal qu'après je vais répéter. C'est si jamais vous n'avez pas reconnu ma voix. Voilà, donc mon micro est là, hein, si jamais je le vise parce que je sais pas si vous voyez en fait. Ouais, il est là, bon, enfin, en gros, pour moi il est juste là, mais bon, voilà, ça n'a aucun intérêt que je le montre. Mais voilà, je suis content en tout cas, j'ai juste à me raser après, à me couper là et c'est fini, hein, ça... je ressemble à peu près à Kirito sur ce point là. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, bye tout le monde. Hop 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 hop, ne partez pas tout de suite, petite info à vous préciser. J'ai demandé à un de mes potes, Mazik, si ça lui gênerait pas de me faire une intro et une outro. Je ne sais pas encore ce qu'il va me répondre, même si quand il m'a demandé, lui, il était partiellement d'accord. Donc comme vous pouvez voir, je suis très malade. Cette vidéo que vous avez vue est tournée à peu près aux alentours du 16 février, et on est à peu près le 3 ou le 2 mars. Donc je la sors beaucoup en retard. Hein, mais j'avais pas beaucoup de temps, mais ça j'en reparlerai beaucoup plus tard. Et donc voilà, bah, j'espère que mon pote pourra me faire l'intro et l'outro, mais j'aimerais, avant de vous la balancer à chaque début et à chaque fin de vidéo, qu'on atteigne les 100 abonnés, parce que ça pourrait marquer un petit peu un changement. Donc bah, pour cela déjà, il faudrait partager si ça vous a plu, hein, donc partager la vidéo... Likez-la, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous du coup. Hein. Et puis après, peut-être que je la mettrai en avance, je sais pas, ça dépend de quand je la reçois, si j'ai envie ou quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Ciao !